Coucou tout le monde, et oui, c'est moi, Bambounette. J'ai fini par sauter le pas et donc me voici en direct de mon lit pour vous présenter mon mini-album sur le thème de ce joli mois de juillet, Au fil de l'eau. Alors pour cet album, vous aurez sans doute toutes reconnu la technique pour la fourre, effet faux cuir. C'est notre Rubika qui nous l'avait présenté. Moi, depuis, j'en use et j'en abuse. Donc j'avais fait ces papiers avec sa technique. Et j'ai donc fait la fourre de devant, l'intérieur, avec une image, ben, merci encore une fois à notre Rubika, c'est elle qui me l'avait donnée, cette jolie tortue. Et puis, pour faire la fourre derrière, j'ai mis aussi quelques petits dies pour faire la décoration. Alors, ça ne fait pas très au fil de l'eau, mais je trouvais que c'était super joli, avec celui-ci aussi. Pour l'intérieur, alors, je vous expliquerai tout à l'heure, mais pour l'intérieur, pour faire mes petites pochettes, mes petits feuillets, j'ai utilisé ce papier, Mystery Marble. C'est 30,4 sur 30,4, donc c'est parfait pour ce que je veux faire, 250 grammes. Et puis ce que j'aimais beaucoup, c'est, si vous voyez bien, cet effet gouttelette sur les pages, qui font penser justement à l'eau. Merci Mademoiselle Sand, celle qui m'avait offert ce papier. Alors, pour l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu les pages. Donc, il y a des petits feuillets à l'intérieur. Ici, je vous montre aussi, je vous expliquerai tout à l'heure. Là, celui-là, ce petit, il est fixe celui-là. Voilà, et à chaque fois, j'ai mis une petite image. Voilà, ça c'est des petits pots là que je me suis amusée à faire. Alors, voilà. Et puis, moi, pour l'effet, pour l'album, j'ai utilisé ces anneaux. J'en avais qui traînaient, je me suis dit que c'était idéal. Et pour le petit plus, j'ai mis ces petits œillets. En plus, c'est très bien parce que ça fait très joli. Je les ai mis à l'intérieur aussi, mais ça permet aussi de ne pas abîmer quand on va l'ouvrir. Voilà. Alors, je ne vais pas vous emmener au bord de la mer, hein, puisque le thème c'est au fil de l'eau, mais je vais vous emmener tout simplement dans ma petite ville. Il paraît que d'après les étymologistes, le nom de ma ville, Porrentruy, voudrait dire ville-pont. Alors, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui traversent la ville, il y a de nombreuses sources aussi sur tout le territoire. Alors, je vous emmène faire cette petite visite guidée. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer tout à l'heure, mais je vous montre les petits tags que j'ai mis à l'intérieur. Là, un cours d'eau avec les petits canards. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Sur la vue, là, il y a un joli cours d'eau avec le château derrière. Histoire d'être un petit peu chauvin quand même. Hein. Alors, chaque page de mon album est formée de trois pochettes. C'est là où je glisse le tag, là. Celui-ci, là, où le tag, il est fixe. Je l'ai collé. Parce que comme c'est vide à l'intérieur, je ne voulais pas qu'il glisse tout le temps. Et puis, il y a là. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on va faire. Alors, on va prendre une feuille de mon bloc. Voilà. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, on va la plier en deux. Comme ça. Il faudra bien marquer les pliures. Sinon, c'est embêtant après. Voilà. Ensuite, vous la remettez dans le bon sens. Et vous allez plier. Vous allez faire des marques à 9 cm ici. 21,4 ici. Et vous allez plier. Et là aussi, vous prenez soin de bien marquer la pliure. Voilà. Vous rabattez et vous pliez. Voilà. Et puis maintenant, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper. Juste là. Mais attention, pas tout. Hein. Juste le petit feuillet. Jusque là. Jusqu'au point des 9 cm. La même chose de l'autre côté.
Voilà. Comme ça. Maintenant, vous allez plier. Vous allez plier ces petits coins-là. Les rabattre. Voilà. Vous faites la même chose sur les quatre côtés. Voilà. Et voilà. Alors, il n'y a pas besoin de découper, vous laissez tel quel. Et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à rabattre. Vous mettez juste un petit point de colle ou avec le dérouleur. Et voilà. La même chose, vous prenez bien, faites bien attention à la symétrie. Et hop, un petit peu de colle. Et voilà. Maintenant, c'est comme ça qu'on va former les trois pochettes. Voilà. Vous avez votre pochette là, celle-ci ici. Et là, vous pourrez mettre votre petit tag, tout simplement. Alors là, il n'y a pas besoin de coller. Vous faites simplement vos trous. Moi, j'ai utilisé ça parce que je vais mettre les œillets. Donc, vous allez simplement mettre vos trous. Voilà. Ça demande un petit peu de force parce que le papier est très épais. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Maintenant, vous mettez vos œillets. Et vous avez votre four, tout simplement. Alors moi, dans mon mini, j'en ai fait 5. Parce que sinon, ça aurait été trop épais par rapport aux anneaux. Mais vous pouvez en mettre plus, peut-être en choisissant un papier plus fin. Voilà, ben, j'espère que cette première vidéo est assez claire, déjà. Et qu'elle vous permettra de faire de jolis petits albums. J'espère que vous allez pouvoir aussi nous les montrer. Parce que ça nous fait toujours vraiment, vraiment plaisir. En tout cas, je vais parler en mon nom à moi. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos mails avec les photos des créas qui ont été inspirées par mes tutos. Et les autres mademoiselles, c'est la même chose. Vous imaginez même pas. Pour nous, c'est vraiment un cadeau. Alors, je vous attends sur le blog pour découvrir les autres créas sur le thème pour ce mois. Et puis, j'attends vos retours. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très bientôt. Bye bye.